Question Guy Philippe, je sais pas hier, hein? Je sais partager des informations avec des gens qui sont en contact avec lui. C'est pas une interview côté que véritablement Guy Philippe t'est invité dans les médias pour que le débat ou interview, mais Guy Philippe il partager et ça me capable des voix avec des gens pour capable expliquer ça qui est arrivé, puisque nous rappelons Guy Philippe, il s'était arrêté, il s'était à préparé pour qu'il a prêté serment devant le Sénat République là, comme sénateur élu département gardien ce pays. Eh bien, Guy Philippe nous connaît. Il a arrêté, monsieur. Et, côté que m'sité, nan, on, son radio, m'sité invité pour la émission. Et avec Gary Pierre-Paul Charles, Scoop FM, eh ben, Guy Philippe confirmé, Gary Pierre-Paul Charles, m'sité bel et bien yon nan moun qui tape planifié complot pour être capable de faciliter arrestation. Hein? Et, à tel point, Guy Philippe dit que Gary Pierre-Paul Charles, m'sié oulé hymne national là deux fois. Le temps pour ta passer, pour tout ça qu'a fait en termes de complot, pour capable arriver, exécuter et li dit, li gen à Lille, et gen l'autre monde tout qui pat à Lille, qui impliqué dans ça, qui gen rapport avec véritable complot pour te capable arrêter. Et Guy Philippe nous connaît pourquoi il est là, qui encore trouvé dans prison, dans pays États-Unis d'Amérique. En écoutant un extrait, dans message ou bien dans précision, Guy Philippe tapoté sur ça qui a rapport avec arrestation. Guy Philippe était parlé hier après-midi avec plusieurs amis qui sous des groupes avec lui. En suivant un extrait dans déclaration Guy Philippe. Écouter l'arrestation de sortie, il va sortir dans l'invitation pour aller à Scoop FM. C'est à mal comprendre. Et le problème, c'est à mal comprendre sa rivière pour nous penser que son cette invitation dans la radio Port-au-Prince c'est qu'a abouti à l'arrestation. Un sénateur en fonction. Moi, je dis en fonction parce que l'article 95 Constitution est clair que après la publication officielle résultat, le sénateur immédiatement rentré en fonction parce que l'élection n'a pas été faite en retard. Pas de question obligée de prêter serment, pas de aucune question comme ça, condition claire sur ça, pour ne pas arriver, pour attaquer et arrêter un sénateur en fonction, mandaté par un peuple sans respect pour aucune loi dans le pays, ni aucune loi internationale. Non, ce n'est pas invitation ça qui fait que ça arrive. Arriver. Femme dit non, puisque nous connaissons femme dit non vérité. Moi, je suis au courant que l'attaque là d'avoir faite au moins 24 heures de temps avant que vous fassiez attaque sur moi. Sénateur Hervé Foucan, que me voulons chapeau, un gros coup de chapeau pour lui. C'était un rare nègre qui était au moins gagné la décence pour le relever. Pour faire venir la Cali à 9-10 heures du soir. Pour inviter pour mettre la Cali, pour mettre parce que complot était général. C'était mon sénateur, complot général. Ça veut dire que ce n'est pas ennemi seulement qui a comploté, allié qui a comploté. Parce que tout ça, on a dit qu'il n'y a pas de contrôler, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de. Deuxièmement, ma bonne salutation, ma bonne beaucoup de chapeau. Nous avec. Pour ancien commandant de la police, là, Gédéon, que vous fâchez que je cite non, mais l'on est fond bagarre, moi je cite non. Son bail sérieux le fait, malgré le ballon l'ordre illégal. Au moins le déaviser, mais ça peut le faire et pas gagner jambes le camper. Parce que, encore une fois, tout le monde est dans le complot pour éliminer et tout le monde est d'accord que c'est ennemi, que c'est allié, soi-disant allié. Mais, je ne suis pas de cap fait back. Je vais expliquer au sénateur Hervé Foucan et je vous dis à m'expliquer nous. Moi, je suis un sénateur en pays. On peut voter, on peut faire mon travail pour mal faire. Comment vous dites que Blanc a décidé avec un série de nègres pour presque que je ne suis pas capable de sénateur, je ne suis pas capable de rentrer dans le Parlement, et si je rentre, il va rentrer dans le Parlement, il va fusiller, il va tirer. Ça a été planifié, c'est pour un échange de tir pour que les gens tombent. Le chef de police, là, et mon niveau, écoutez, je fais un message là. Après, je fais entendre le sénateur Hervé Foucan, je décide que je n'ai pas aucune confrontation, je ne pas quitter ça arriver. Mais tout m'a pas couru, m'a pas couru pour responsabilité, m'a pas couru parce que le peuple m'a mandaté.
Et si tout le temps, je dis peuple, il faut le courage pour l'avancer, même le bagaille difficile, moi-même, c'est pour me débattre exactement à tel point. C'est comme ça. Je prends toutes mesures pour sécurité, mieux, et à Jacques Tavem, que je connais tête chaud pour me faire pour aller là. C'est comme ça, après que je voyais ce bosque, ça, non, qui était avec moi. Je dis là, lâche mon téléphone pour moi, je voyais lâche mon téléphone, au côté, je ne pas besoin. Mon téléphone, je ne pas besoin. Et je n'ai pas besoin, puisque je n'ai pas trois autres téléphones. Moi, il est Louis-Jean-Étienne qui était avec moi. Moi, je dis là, cherche un papier pour moi. Je voyais chercher un papier, au côté, je ne pas besoin de papier. Attends. Et l'homme assuré que je n'ai pas aucune confrontation, je n'ai aucun nègre qui a examen. Et je demande demandé tout le monde, quitte les âmes. Quitte le nègre, quitte l'armée, quitte toi là, de l'homme, tu es là. Alba et sécurité, non, car il y a des petits mondes. Donc, moi, pour contre moi, je n'ai pas vraiment avec le nègre qui est armé, parce que je me dis qu'on a qui s'ambra aller, et je n'ai pas faire bac pour rien, parce que j'ai une responsabilité, on peut mettre sous dôme, et je dois respecter jusqu'au bout. Le sénateur Grandestanré m'a invité avec le directeur radio et Gary Diabolchal. Je suis déjà connu, c'est dans l'embuscade ma rentrée. Je pensais que je ne suis pas connu, mais je connais. Et si je regarde, on a vu que Gary Diabolchal jouait l'hymne national là deux fois. Il a fait le, il a fait tant. Pour les policiers qui sont arrivés, pour tout ça, pour comploter qui sont arrivés, pour faire ça, qui pour faire. Je suis calme, je ne parle pas. Ou après que 30 minutes après l'émission, je dis, Gary, il faut m'aller. Il dit, non, pourquoi aller, pourquoi aller? Moi, je connais ça, la faire. Je garde, je connais, je connais, je connais. Parce que j'aime garder là et j'aime parler avec là. Moi, je balle tout message que je devais bailler. Et après, l'homme sorti, pour éviter que aucun monde pas est blessé, c'est moi personnellement. Ce n'est pas la police qui vient arrêter. C'est moi personnellement qui marche sous commandant de la police là. Et me dit, comment ça s'est passé quand on va y aller? Et m'a dit tout. Même policier au niveau et fait ça, il fait pas de souffle. Policier ça m'a dit peut-être il sauver la vie. Parce que il prend, il allait, il mettait dans une machine et c'est même moment où il a des balles à tirer. Tout côté. Il a arrêté. Il a vu l'homme. Il a dit sénateur Guy Philippe c'est pour drogue qu'il a arrêté. Ambassadeur américain, Peter Mulrin, écrit une lettre par le ministre de la justice haïtienne qui dit que la justice américaine a cherché Guy Philippe depuis 2005 pour trafic de drogue. L'homme arrivé aux États-Unis, je dis ok, nous prenons un jugement. Parce que je connais pas le trafic de drogue. Je dis nous prenons un jugement. Le nègre, que nous prenons un jugement vrai. Le nèg yo wè yo pa gen anyen parce que États-Unis l'on va dans jugement faut que nèg yo di qui ça reproche qui preuve yo gen contre yo. Nèg yo paraît avec un feu yo dit que oui le 13 ak le 17 janvier 2000 gen deux bateaux qui quittaient au cap haïtien à 80 kg cocaïne et puis capitaine yo dit c'est commandant Guy Philippe yo te payé nan bureau au cap qui pou te permettre yo quitter port au cap là et 10 à 12 et janvier 2000. Nous prenons un jugement, c'est ça au vini, c'est preuve ça au gain contre moi, c'est sous ça au basé pour dire Guy Philippe était dans trafic de drogue. Le mre les avocats nous parler, me dit OK. Moi aller passeport, mon ancien passeport, moi dit comme nèg la dit, il était payé le 10 janvier avant déplacer avec le 12 janvier depuis 3 janvier 2000 moi États-Unis. Parce que petite fille m'a fait le 15 janvier. Et puis, à aucun moment, pas de jambes commandant police au Cap. Au Cap, pas de jambes sous contrôle. Moi, c'est pas mon commandant au Cap. Nous étions directeur départemental chargé. Département non pour police administrative. Donc, pas de commandant au Cap. Au Cap, c'est commandant. Un. Deuxièmement, comment au Cap fait États-Unis en même temps pour Haïti. Et troisièmement, il a transféré comme commandant au Cap en février 2000. Je n'ai pas de commandant au Cap en janvier 2000. Je n'ai pas au Cap en janvier 2000. Donc, là, il y a mêlé. Deux jours après, vous connaissez son complot. Avocat dans le complot contre moi, propre avocat. Tout le monde, deux jours après, vous venez avec un papier sur G-Bank. Il a dit OK.
Nous pas gain dossier drogue sou. Ça m'a dit là, on ka vérifier li sou tout bagay site officiel yo créé les PCA. Yo dit non, c'est pas pour drogue. Problème nous gain avoir c'est pour money laundry. C'est l'argent wap lavé. Nous gain preuve pour laver 3 millions et demi. Le monde qui preuve yo gain, yo vin ak un chèque de 112 000 dollars américains comme on preuve que nous gain 3 millions et demi. 112 000 dollars, yo dit 3 millions et demi. Et puis on dit, le monde de côté au jeune Barazaro, c'est Soje Bank Haïti qui dit que me fait tout pile paquet de dépôt entre année 2001 et année 2003. Et pourtant, 2001 à 2003, commencé à décembre 99 jusqu'à 2003, de 2001 à 2003, que on dit ensemble dépôt, gros dépôt fait, tout le monde connaît pas dans Haïti, et pas de aucun gens. Nous avons fait dépôt dans Soje Bank en 2001 à 2003. Parce que nous sommes en exil. J'ai oublié que c'est en février 2004 que je suis rentré. Je remercie le Sénat de la République qui a pris un gros coquin de chaîne de résolution. Tout, il faut remercier le sénateur qui a dénoncé l'illégalité qui fait là. Chambre des députés a pris une belle résolution le 13 janvier et malheureusement, le député Kembel, malgré que il prend résolution, et résolution lui-même n'est pas jamais accompagné résolution sénateur. Et je me connais comment et qui député, et pour qui ça, député ça, aucun bien résolution ça. De toute façon, pas de jamais t'a sorti dans le complot ça, parce que le complot agent sénateur a dit non, son complot général. Malgré que je suis en vie à l'en jugement aux États-Unis, pas de gain jamais de cap gain. Parce que vous n'avez pas besoin de preuve aux États-Unis qu'on fait un bagage ou pas faire pour vous condamner. Il suffit que vous preniez deux personnes qui sont en prison, qui viennent dire oui, vous êtes bon en corps, vous êtes bon comme sous contrôle, comme ça, vous êtes en trafic, vous sorti, ou bien un bagage illégal, vous avez perdu dans la prison. Donc, avocat, sous gros pression, décide de signer avec le gouvernement et vous dit signer après m'a fait appel. Moi, j'ai un an pour me faire appel. Je me dis, bon d'accord, nous mettons 6 ans. Il y a bon 9 ans, je fais 7 ans et je fais appel. Tout le monde doit appel. Seul Guy Philippe. Quand avant un an, arrivé, me fait appel. Je transfère mon corps et je suis mal devant le juge là. Le juge a décidé que je ne dois pas faire appel. Mal devant la cour d'appel lui-même pour me dire, je ne pas comprendre. La cour d'appel prend décision, lui dit, ou pas qu'il doit faire appel. Donc, tout le monde me fait. Moun yo di, Guy Philippe pa gen droit fè appel. Donc moi-même, côté mi la, me considère comme un prisonnier politique. États-Unis d'Amérique a parlé de démocratie tout le temps. Yo kenbe m la, sans que yo pa gen rien contre moi. Yo kenbe m la illégalement et yo kenbe un sénateur sans respect pour la constitution pays d'Haïti, sans respect pour le droit international, sans respect pour la convention Genève, sans respect pour tout l'autre, ça gagne dans 4 et ça pire, le sénateur a voué papier et puis nous montrer, juge là, nous dit, donc est-ce qu'on a comme preuve que ça fait là illégal? Yo gen le tout paix. Figure du, yo déclaré que c'est pas extradition, c'est kidnapper ou kidnapper en Haïti. Bon, non, yo kidnapper, c'est ça, on dit. L'homme arrive pour montrer, et puis il a montré que tout le bagage qui passe là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas kidnapping, mais ça, Camille doit dire, mais il dit non, c'est dans l'aéroport Miami, on a agent créé Amos Rojas, arrêté. Donc moi-même, nous avons de tout ça qui est passé devant ce groupe FM, non? Officiellement aux États-Unis, yo même c'est Miami arrêté, et c'est ça qui fait la prison, je dis. Moi, je pense que le pays a besoin d'une bonne réforme constitutionnelle. La Constitution, malheureusement, il n'y a pas jamais appliqué, il n'y a pas jamais essayé d'appliquer depuis le fait. Pour moi, c'est une bonne Constitution, mais il manque. Il faut qu'on passe les mains là-dedans, il faut qu'il y ait une réforme qui fait. Ça, je suis d'accord. Le président a raison de parler d'une série de problèmes que la Constitution a présentés. Le président a raison de dire qu'il y a une urgence pour que la Constitution passe les mains là-dedans. Mais, est-ce que forme président a fait là? Est-ce que c'est bon?
président n'a pas aucune base légale pour organiser un référendum. Le président n'a pas même une légitimité pour le faire et pour changer la constitution du pays. L'on n'a pas une base légale. Le 1 selon la loi, pas bon droit pour changer une constitution. Au moins pour ta faire pour bien payer, faut que c'est dans un cadre en conférence nationale souveraine. Faut que c'est un cadre en dialogue national. Côté tout le monde, toute équipe Chita, yo parle, yo fait. Comment on peut demander pour faire confiance pour avoir une légitimité? Le monde nous mette à bit, yo. Le 9 membres de l'EPO, c'est le président personnellement qui choisit toutes 9. Yo. Donc tout le monde, après que jouet là, a mal joué. Que jouet là, il y a force côté. C'est une belle idée. Mais il y a des gens, et la Constitution prévoit qui gens pour réformer, qui gens pour changer. On même pensé que son goyer. Si avec un référendum, malgré que j'ai un pile de monde qui d'accord, malgré que moi-même personnellement, moi d'accord pour la Constitution, tu as changé ou bien tu as passé même fait là-dedans. Mais si c'est dans la forme ça, dans le genre ça, président Blefel là, si on voit Pandore l'a ouvert, et pas de monde qui compte qui j'ai fermé, qui diable, qui louga ou, qui mauvais esprit qui a sorti. Qui ça qui empêche un nègre demain, si je dis à président pour un référendum, pour ça, qui ça qui empêche un nègre demain qui vient président, qui a fait une petite démagogie, qui fait quelques peuples contents, décider de faire notre référendum pour le mettre tête à vie. Qui ça qui a empêché un dictateur en Bachal, prend pouvoir et pas jambes baillé qu'un pays a sous base de référendum, même gens ça a fait dans pile pays Afrique. Bon, même, oui, moi d'accord, faut que la Constitution gon passe mais là-dedans. Oui, moi d'accord, faut que la diaspora joue un rôle plus actif dans la vie politique nationale. Moi d'accord, il y a une loi pour changer. Mais forme, président a fait là, même si dans le fond, il y a raison, mais forme n'est pas bon. Constitution prévoit comment vous le faites. Et nous avons souhaité que le temps des raisons, il n'y pas quitter le monde de côté. Ou qu'on en a été le chef. Tout ça fait bon pour partisans. Parce que partisans lui-même, l'a essayé de sauver Tibel. Mais aucun monde n'a jamais vraiment pensé à Haïti et à pays. Même le ça bon, son bon idée. Mais c'est le président fait, j'en supposé fait. Le président n'a pas qu'à violer la Constitution. Ou pas qu'à faire un bagage illégal. Pour essayer de dire, mais pour qu'ils soient faits, ou sont l'autre bagaille légal ou en fait, ou bien sont pas bon pour le peuple. Oui, changer la constitution est bon pour le pays. Oui, il y a des réformes qui sont faites. Mais non, dans la forme que le président veut faire là, et avec l'équipe que veut faire là, non, le pas bon. Ça va mettre le pays à non problème. Et le président a toute force qu'on a là, pas un parlement, il a fait ça, il a changé la constitution. Mais changer ça, je dis à la, nous-mêmes, dans 15 ans, Haïti a payé sa chair. C'est un pile. Bon, nous tapons tendez sénateur Guy Philippe. M'sieur parlé hier, m'sieur expliqué des bagailles. M'sieur porté un pile précision sur question arrestation. Nous rappelons Guy Philippe, m'sieur arrêté côté que m'sieur t'a préparé pour te descendre Sénat République là pour qu'il t'a capable de prêter serment comme sénateur de la République. Guy Philippe, m'sieur confirmé hier. Li prend un complot tête chargé, pas d'aucun moyen pour te sortir tête li. Li explique que li était invité dans Scoop FM, Gary Pierre Paul Charles, monsieur c'est un nèg qui t'a pas planifié pour te capable permettre la police arrêter li. Monsieur cité notre sénateur Sorel Jacinthe qui était relé le tout pour la émission son bail qui était bien planifié avec nèg qui te gen mission pour te capable arrêter lio et les préciser que même pendant après émission
l'étape décide d'entrer la Cali. Gary Pepper Charles dit non, 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 sénateur, pourquoi aller? M'sieur expliqué tout, Gary roule l'hymne national là deux fois. Le temps pour policiers capables d'arriver, pour capable de contrôler et pour capable arrêter Guy Philippe Jodian qui qualifié arrestation politique. États-Unis fait sous lui puisque lui fait qu'on est, il fait appel tout ça le fait pas arrivé abouti puisque yo et montre que lui c'est un véritable problème et Guy Philippe dit il prend un complot côté grand pile acteur qui impliqué là-dedans ni des monde qui a pas trop zamini lui dit tout même soi-disant allié et yo même tout yo impliqué dans ça qui gen rapport avec complot pour te capable permettre pays États-Unis capable arrêter Jodian. Guy Philippe dit li arrêté c'est une arrestation politique mais Guy Philippe tout si tout parler dit ça qui gen rapport avec question constitution pays hein? Et c'est un nan ba qui m'ta pral garder tout à l'heure dans cadre d'émission Guy Philippe tout entrer là-dedans n'a tout garder Guy Philippe m's'est questionné légitimité président Jovenel Moïse pour ta capable changer constitution paysan monsieur rappelé que chef l'état sous on sème base de question référendum il pas capable arriver avec question changer constitution pays puisque constitution nous connaît c'est pas n'importe qui document c'est ça m'ta capable briller acte de naissance paysan c'est un document très 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 important extrêmement important pour fonctionnement paysan Guy Philippe montre que Jodian président Jovenel pas gain aucune légitimité d'ailleurs pour ta capable entrer dans démarche pour ta capable privé changer constitution paysan et Guy Philippe questionne tout qui ça ta capable dans tête Jovenel Moïse est-ce que un bon matin tout n'importe qui n'est qui président de la République pas qu'a décidé dire ben m'a juste fait un référendum m'a changé constitution m'a pas déclaré tête moi avis comme un dictateur selon ça Guy Philippe lui-même lui fait connait ça veut dire Jodian Guy Philippe tout c'est vraiment pas d'accord avec chemin président Jovenel prend pour capable privé avec question changer constitution pays gain un bail qui est extrêmement important que tout le monde doit connaître. Je crois que la République li appartient avec tout citoyen haïtien. La République, c'est un son terre que les ancêtres nous ont été goumen. En pile là, ils ont mouru. En pile là, ils ont torturé. En pile là, ils ont connu des très mauvais moments pour être capable d'aboutir avec question. Boutez à côté n'a vive là. À aucun moment donné, Jovenel Moïse qui c'est président de la République, pas jamais impliqué dans toute bataille qui t'a fait yo, ni moi ni ou, mais nous gain des grands-parents, des grands-grands-grands-parents qui te croient que yo besoin un bout de terre pour vivre et yo doit vivre libre puisque yo t'est dans question esclavage, yo t'est mené en pile bataille et yo t'est offri tête en sacrifice. Pour être capable de permettre que pays qui nous gagne là qui est haïtien pour nous être capable de vivre là-dedans et tant que monde je veux dire m'estimer que gon certaine passivité beaucoup tant pile monde qui véritablement pas comprendre rien mais c'est venu que yo montre nous gon problème avec constitution pays gon problème mais question que t'as posé c'est tout qui vrai problème nèg avec constitution. Parce que je dis nèg parler des changements constitution. Il pas même parler des questions amendement hein. Il parler des changements constitution. Changement constitution veut dire qu'il parler éliminer ça là, il pas faire l'autre bagaille. Qui ça monsieur a cherché, qui ça yo vle? Est-ce que véritablement c'est le fait que nèg senti qu'il plus patriote que tout nèg qui te mené des gros combats dans pays hein. Il estime que nèg ça à travers constitution, il pas te revendiquer un rien qui gain rapport pour peuple hein? Ou bien est-ce que nèg estime que jodi hein, constitution comme gain des obligations le faire avec yo envers peuple hein? Est-ce que jodi yo juste senti que constitution pas un véritable embarras pour yo? Est-ce que yo estime que constitution vraiment dérange yo empêche que comme si yo plus et yo volé plus scob? Est-ce que constitution empêche yo faire plus dégâts dans pays hein?
qui ça véritablement a cherché, c'est autant de questions que mon a posé. Mais il y a un premier bagage que nous devons connaître.